Ho! Ho! Es-tu avec moi? J'arrive. C'est le truc. J'arrive! J'arrive, je suis pas pressé, mais j'arrive! Eh bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouvel épisode. Je pense que vous savez c'est quoi comme épisode qui vous attend aujourd'hui. C'est ARK! Et je suis en compagnie de... Darktech! Avec une forte poitrine! Ah, je suis en compagnie de ma petite femelle de l'amour. Oh, je bug par contre, j'ai des lags. Salut, salut. Faut passer en QWERTY. Hein. Ah, je suis passé en QWERTY, mais j'ai des latences. Des latences dans le jeu. Ouais. C'est plutôt. On s'appelle humain! Il est mort. Ah bah, il est tombé devant moi, les amis. Je vais faire quelques réglages aussi de mon côté et je vous rejoins tout de suite, les amis. À toutes. Oh, les amis! Je suis devant le cadavre de Darkneck qui vient de se lever. Bonjour. Tu fais 2 mètres de haut aussi, toi? Non. Ah non, je suis plus grand que toi. Ah ouais. Bonjour, madame. Bonjour. Bon, aujourd'hui, les amis, on se découvre sur Ark en compagnie de Darkneck. Il connaît aussi un petit peu le jeu où on a fait ensemble une paire de parties en mode multijoueur. Je suis désolé, mais les bases du jeu, on les avait modifiées, mais on va laisser comme tel. On a juste augmenté la partie où quand... J'en suis en train de parler, s'il te plaît. Calme-toi. Au niveau des niveaux, ça va monter assez vite, mais vous en faites pas. Au moins, vous ennuierez pas, hein. Full. Darkneck, ouais. J'ai toujours full. Allez, c'est parti. On commence par quoi? Déjà, je détruis les armes. Moi, je récupère de la pierre. Alors cette partie là elle est très connue en fait de la map, elle est souvent utilisée. Je sais pas ce que tu dis de tout ça toi. Ah c'est la partie la plus safe. C'est la moins dangereuse. Voilà. La moins dangereuse mais ça n'empêche qu'il y a quand même des dinosaures assez chiants. Et des dinosaures de base comme ce petit dodo sauvage, une femelle de niveau 15, qu'on va lui buter sa race. Bon, j'ai déjà pris un niveau, c'est cheaté, hein, je vous le dis tout de suite. C'est légèrement cheaté, y a rien de spécial, hein, vous en faites pas. C'est juste que les niveaux montent un petit peu vite. Ça nous permettra au moins de faire nos schémas un peu plus rapidement. Parce que je vous avoue que des moments, mettre en mode normal, c'est long. Inventaire, qu'est-ce que t'as déjà fait sur dans tes poches, toi? J'ai fait une hache. Déjà, moi j'ai une pioche. Ouais, ça va pas. Ça monte un petit peu trop vite là au niveau des niveaux. Ouais, c'est pas grave. On va se faire plaisir. Et puis de toute façon, l'aventure elle commence à peine. On a encore rien construit. Les niveaux vraiment ils vont rien. Pour l'instant, ils servent pas quoi. Y'a rien de spécial encore qu'on puisse avoir. Ouais, j'ai tué le dodo. Bah, t'as bien raison, récupère surtout la peau, la viande et tout ça quoi. Les torches, pas besoin, je le mettrai au niveau éclairage, je modifierai. Hein? Hop, ça marche. Au niveau éclairage, vous en faites pas les amis, ça marche quand c'est la nuit, c'est ça qui est bien. Alors je peux faire une hache. Bon, on revient au tout début du jeu parce que j'ai fait, découvrir aux gens le jeu, alors que bah, je l'avais déjà découvert, mais pour vous montrer en fait le jeu que j'avais déjà joué avec. Mais là, on le fait en multi, je le fais, surtout, je fais un clin d'œil, hein, je fais un clin d'œil surtout à Clélia Richer, qui voulait ce multijoueur. Donc merci à toi Clélia de m'inciter, et je veux que tous les abonnés m'incitent à faire des jeux. J'ai fait un feu de camp là. Impeccable, le feu de camp de l'amour. Et tu l'as fait où? Au bord? Tu l'as mis où? Le feu de camp, tu l'as mis où? Ici? Il est dans mon inventaire. Oh, hein. T'as fait caca. Oh, la vilaine fille. Alors on va le faire de l'autre côté, notre camp, tiens, pourquoi pas. On va faire par ici. On aura de la place comme ça. Alors n'hésitez pas
commentez surtout, likez, etc. Ça fait toujours plaisir que vous soyez aussi nombreux et nombreuses à nous donner des commentaires. Je prends une gourde. Vu que t'as déjà les, le feu de camp. Puis les vêtements, ça sera... Ouais. Les vêtements de base. Le chapeau aussi. Ou les gants, peut-être pas, mais le chapeau. Là, je vais me faire une petite lance. Tout de suite, comme ça, il faut juste de la fibre que j'ai pas encore ramassée, tiens. C'est étonnant. Ah, il me faut de la fibre. Pour la lance, ouais, pour se protéger un petit peu. Là, on est sur la base des bases. Hein. Donc, c'est tout, comme l'épisode que j'ai fait. Et ça va aller un peu plus vite vu que là on est deux. Le niveau des constructions, au niveau du... De choper des dinosaures, etc. Ça ira 10 fois plus vite. C'est tout seul, Furious Jumper a un courage incroyable. Ouais, je le salue. Parce que ce jeu il est vraiment vraiment pas facile du tout. Même si là on a pris la partie la plus safe. J'ai mis une boîte de stockage. Ça, tu pourras mettre des trucs dedans. D'accord. Ça nous empêchera de nous encombrer. Bien vu l'aveugle. Je suis en train de manger. Je fais ça. Voilà. Alors, ce que j'ai fait déjà, moi, c'est une lance, une pioche et... elle est où ma lance? Elle est là. Alors, si vous avez des conseils sur comment installer ces outils sur le 1, 2, 3 en mode rapide, comme ça, moi, je le saurais aussi. Moi, je trouve qu'on est bien, là. Je trouve qu'on est bien. J'ai baissé un peu la résolution du jeu, ça buguait un petit peu au niveau FPS, je suis désolé. Mais bon, le jeu reste beau. Reste beau. Tu es où? Tu as mis toute ta boîte et tout ça? Tu mets tout là, toi? Tu veux vraiment mettre tout là? Ouais. À moins pour le début quoi, après on bougera. Ouais, on bougera, ouais. 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 Alors que la pierre, le bois et tout ça, bon, on a tout vraiment... la fibre. Et le branchage, ça je jetais, pas besoin, et ça aussi, pas besoin. Pire, si on a faim, il y aura du dodo, il y aura un petit peu de tout. Là, qu'est-ce qu'on peut commencer à faire alors? Raconte. Bon, on peut faire une base là, tu vois, une petite maison en chaume. Une petite maison de base. On va commencer à le faire. Moi, j'aimerais bien m'installer pas ici, là où je suis. Je sais pas où tu es, toi. Moi, je suis de l'autre côté de la plage. J'aimerais m'installer quelque part ici, les amis. Je sais pas ce que t'en penses. Mais ouais, de l'autre côté, de l'autre côté. Mais il y a beaucoup de vélociraptors et tout ça. Donc là-bas, il y a un mur naturel. Viens, on va aller voir un petit peu plus près. Il y a un mur naturel en hauteur. Ça nous protégerait des éventuels carnivores. Et ouais, il y a un mur naturel. Qu'est-ce que t'en penses de se mettre dans le coin là-bas? Bah, allez, on est parti. Hein. On va le faire là-bas. Ouais. En plus, il y a des fiomas là-bas. Je sais pas si tu le vois, les deux bestioles là-bas au fond. C'est des fiomas, les amis. C'est des petits, on va dire, des comme des cochons un petit peu croisés avec une sorte d'hippopotame. C'est lent et c'est pas dangereux. Là-bas, il y a un trissé, ça c'est cool. On a un trissé tout près comme ça. Moi, je serais partant pour qu'on aille là-bas. Allez, on va là-bas. J'ai ma pioche, j'ai ma hache. Il est bugué. Laisse-le bugger. Il est quel niveau? Bugué, ils sont plus faciles à prendre quand ils sont buggés. Dès qu'on a le lance-pierre, on pourra peut-être éventuellement le prendre. Quand ils sont buggés, ils sont plus faciles à prendre. Par contre, lui, je sais pas quel niveau il est, je vais aller le voir. En allant un petit peu doucement parce qu'il y a des dinosaures très dangereux. Il y a des piranhas. Oh là là là. Ah bah, faut pas traverser comme ça. Hein. Faut faire le tour, mon ami. Oh, c'est plus long. Ouais, mais non, mais regarde, moi j'y suis hein, dans le coin. J'y suis dans 2 minutes. Bah, les piranhas, on pourra les tuer et les manger. Hein. Ça nous fait de la viande. Et c'est surtout que ici. Dans l'eau ici, Darkneck, il y a un spawn de lumière qui vient du ciel, rappelle-toi. Il vient juste ici dans l'eau. Ouais. Donc, moi, ce que je pensais, c'est vraiment de faire une maison à peu près là. Ici, là où je suis.
Je vais faire toutes les fondations. Voilà, fais les fondations, écoute, moi je vais récolter du bois et de la fibre, ça va être un peu long les amis, je ferai sûrement une coupure, parce que là, moi, ce que je comptais faire, Dark, c'est de faire une longue vidéo. Et je ferai des parties, des épisodes coupés, et je marquerai à la fin, to buy continue. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, on pourrait faire ça. Ouais. To buy continue les amis, ça veut dire si vous voulez continuer, la suite va arriver bientôt. C'est-à-dire que... Voilà, ça sera comme ça. On va faire ça comme ça. Vraiment, moi, je suis partant pour faire quelque chose comme ça. En sachant que je le ferai toujours peut-être une demi-heure, 20 minutes de vidéo. On repart, sur... combien de fondations ? On repart sur des bases. Surtout que... Prendre de la fibre, du bois... Parce que là, je suis en train de prendre des conneries, ça va pas. Je vais prendre du branchage, moi. Tu prends quoi ? Du bois, toi ? Moi je prends bois et branchage, il faudrait des fibres. Des fibres, donc moi je vais me mettre dans les fibres alors. Allez c'est parti, je me mets dans la fibre. Dans la nourriture, et ça sera de la nourriture aussi. Ah, t'as sifflé. Ouais mais y a rien de toute façon. Non, on n'a pas d'animaux, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Bon, ça sera en continu donc l'aventure. On fera ça comme ça. L'aventure dans Ark, les amis. Venez nombreux, commenter, liker. Et je fais combien de fondations? Bah écoute, les fondations, on va commencer par 4. Comme ça nous fera une belle pièce. Une belle pièce pour l'entrée. Parce que je compte pas faire une petite maison. Hein. Ce qu'il faut savoir dans le jeu... Je sais pas si t'as déjà vu des vidéos là-dessus. Rien. Ah ouais, il y a des grandes. Il y a vraiment des structures énormes qu'on peut faire. Et... Est-ce que t'as de la fibre? Oui, oui, j'ai énormément de fibres sur moi. Tiens, viens. Je vais te les jeter. 146, ça te va? Ouais. Jeter. Voilà. Je vais continuer. Bon, là, le temps, il est pas avec nous. On va pas souvent avoir un été joyeux dans le jeu. Bon, j'ai 4 fondations là, pour l'instant. D'accord, 4 fondations pour l'instant. Pas de soucis. Je fais quoi? Je te les donne? Bah écoute, là où j'ai dit de les placer, essaye de les installer de façon à ce que ce soit vraiment bien face à la plage, enfin à l'eau. Au bord. Si tu peux, au bord. Éventuellement au bord. Comme ça on va essayer de prendre le flanc de la montagne pour nous, si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, au lieu de faire le tour à Cadinosaur et puis si on a besoin de quelque chose en haut, on ira à pied par une tour. On pourrait faire une tour ici par la suite. Pour pouvoir monter là-haut. Je les ai mis par terre là, je suis en train de refaire. Ouais mais on va les perdre. Hein. Ah d'accord. D'accord. Je vais les prendre. Inventaire, les structures. Attends, je vais te montrer comment je vois la chose comme ça en fait. Ici, là où je suis, je poserai bien en fait. Tu vois là, à peu près. Je sais pas. Soit qu'on commencerait à prendre cette plateforme pour pouvoir monter par ici là-haut. Parce que regarde, c'est plat là-haut. Ou un peu plus bas. Parce que le mur il est naturel et ça c'est bien. Ça nous fait un barrage derrière notre dos quoi. Mais on peut allonger sur les côtés de la maison. Et ça, c'est encore mieux. Et par la suite, on pourrait faire quelque chose pour escalader. Avec nos dinosaures. Ouais. Je vois quelque chose comme ça, moi. Ah, je vais le poser là, alors. Attends. À peu près au bord de l'eau, j'avais dit. Hein. Voilà. Alors, par 4. Voilà, ça fait à peu près ça. Bon, en évitant que, bien sûr, les dinosaures puissent venir nous faire chier. Ah, il est pas trop dégueulasse, celui-là. Il a des taches vertes, on dirait qu'il est passé dans Fallout, lui. Ah, faudrait que tu me mets dans ta tribu, je peux rien poser. Ah, zut, tiens, c'est bizarre, ça. Comment qu'on fait? Alors, raconte. Information.
Les amis, comment on met une tribu? Ah oui, tu viens sur moi, t'appuies sur E, tu peux recruter. Maintenir pour afficher les options de l'individu en face de vous qui pue de la figure. Accepter la fusion avec la tribu. Recruter dans la tribu. Déclarer la guerre. Je déclare la guerre. Je t'ai recruté là. Attends, promouvoir au rang d'admin. Hop. Aïe, hey, tu peux me frapper. Non mais là tu viens de me frapper là. Là tu m'as blessé en fait. Regarde. Là je t'ai blessé aussi tu vois. Ouais du coup je t'ai accepté. On n'est pas en mode PVE hein. Non. Wow, c'est pas grave. Mais non mais je vais agrandir encore sur les côtés. Ouais. Non c'est parce que sur le coup je me suis dit non mais ouais. Ça va être grand les amis, moi je dis ça va être grand. Tiens je vais te poser les fibres que j'ai encore sur moi. Jeter le bois, tiens, et le branchage. Et je vais bouffer un peu. Ce que je vais augmenter, ça sera tout de suite l'oxygène. Je fais tout au fur et à mesure, au moins. Je suis déjà niveau 7. Déjà niveau 7. Moi, je suis niveau 5. Ah, tu construis, toi, c'est pour ça. Je vais faire les coffres. Je vais commencer à faire les coffres. De mon côté. Il te faut des murs, il te faut quoi? On continue la construction des murs? Ouais. Pour les murs, il te faut quoi? Il faut quand même une plateforme. Alors pour les murs, il te faut bois, branchage, fibre. Ouais. Le truc de base quoi. Le plus qui branche, c'est le branchage. D'accord. Bon. On va faire ça comme ça. Hein. De la fibre. On est bien ici parce qu'il y a une grande forêt assez vaste. Et puis que c'est pas piqué des hannetons quoi. Non, bon, on va faire des murs. Et par la suite on fera bien sûr quelque chose de plus costaud. Je prends automatiquement du branchage et du bois. Allez, la porte on la met côté rivière ou côté côté arrière plutôt et puis on mettra d'autres pièces avec des rampes et des trucs dans le genre pour pouvoir monter au niveau de la structure parce que là je sais pas si tu l'as remarqué mais la structure elle est un peu plus basse de ce côté là tu vois par à l'eau et là où que je l'ai mis dans l'eau on pourra mettre notre bateau tu vois ce que je veux dire ça ouais. Ça sera une sorte de quai pour nous mettre notre bateau. Parce que oui, on peut faire un bateau. Je compte le faire aussi, le bateau. Et on a un partage d'XP. Je sais pas si tu l'as vu, quand on pioche, on voit le branchage, le bois arriver. Mais aussi, on se partage les XP. Ouais. J'ai pas encore pris les structures, mais je vais prendre aussi les structures pour t'aider un petit peu aussi. Parce que sinon... sinon, ça va être long. Au niveau des structures... accepté voilà. Bon, des branchages j'ai de quoi sur moi normalement et je comptais aussi peut-être par la suite hein, bien sûr avant on va faire celui-là et faire Scorched entre deux peut-être on verra bien le temps nous dira ce qu'on pourrait en faire. Je peux faire 3 murs, j'en fais directement 3. On mettra des fenêtres plus tard hein. Là pour l'instant on se protège hein, les amis d'éventuels dinos très méchants. Là j'ai 3 murs sur moi là. 4. Hop. Voilà. Voilà. Faudra une porte. Oui j'ai mis l'option mais j'ai plus assez de fibres. Je vais rechercher. Puis assez de fibres et tout ça. Oui, c'est quand même drôle, ça doit vous faire drôle les amis, parce que bon, au niveau du game, on level up assez vite. Ouais.
Mais c'est pas grave, c'est, au contraire c'est le plaisir, comme ça au moins on aura tous les levels, on n'a pas à attendre qu'on l'a pendant 10 ans avant de l'avoir quelque chose. Je fais la porte. Hein. Puis on va évoluer comme ça, écoute, on va pas... Vas-y, fais la porte, vas-y. Tant que je prends la fibre, il sera trop tard, toi tu iras plus vite que moi. Pour l'instant on va faire ce qu'on peut faire pour l'instant, ça veut dire construire, donc sa première maison. Hein. Ouais. Après ça sera l'enclos, mais l'enclos ça va avec le temps parce qu'on n'aura pas les fondations, je sais plus quel niveau, donc il faudra attendre. Ouais, pour l'instant ça va être comme ça, puis... Il faut remettre un étage là, ou pas ? Bah faut faire... Non, faut faire sur deux niveaux, faut encore mettre un mur par-dessus pour faire un étage. Sinon ça va être trop court, tu sais. Faut encore mettre des murs. Là j'ai fait des murs, j'en ai fait 5. Vas-y. Il faudrait faire les tours. Ouais, là je fais les murs, t'en fais pas pour les murs. Bah, on va pas faire trop de coupures, enfin j'espère pas trop faire de coupures pendant les vidéos. Peut-être pour les maisons, peut-être pour les structures, si ça vous dit les amis, je couperai bien sûr au montage parce que c'est des trucs qui sont encore assez longs. Pour tamer aussi les dinosaures, je ferai ça aussi. C'est, long, ça, ouais. C'est parce que c'est très long, les amis. Pourquoi pas couper non plus la nuit? Ou je laisserai la nuit. A vous de voir, laissez aux commentaires toujours. Comme ça, voilà, on évolue ensemble, on se laisse pas. Après, moi, ce que je me dis, c'est que comme je vais faire des épisodes coupés et que ça sera tout by continue, je vois pas l'intérêt aussi de couper, quoi. Tu vois? Après, pour eux, quand on va tamer un dinosaure et tout, ça va être chiant et long. Ouais, ça va être chiant et long, c'est ça. Donc c'est parti là, je couperai au montage. Après, on peut laisser, tu vois, un tiers du tamage, en gros. Pour apprendre aux gens qui n'ont jamais joué à Ark comment faire. Voilà. Donc là, ça sera le premier épisode multijoueur. Donc ça sera l'un des premiers épisodes officiels de Ark. Mais on fera un petit peu comme un tuto, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Vous-même, vous pourrez suivre l'aventure et vous dire que voilà, c'est bien fait et suivi par l'équipe The Death. Je vais prendre toutes les plateformes, les toits et tout ça. Écoute, je vais pas me m'enquiquiner à tourner en rond parce que là, je suis en train de tourner en rond. Je suis pas encore habillé non plus. Ah, pareil. Je peux faire déjà un chapeau. Pourquoi un chapeau alors là? Bon, quand il fera froid, j'aurai au moins de la fibre. La tête. De la fibre, faut en prendre, j'en ai pas pris. Parce qu'il y a pas beaucoup de buissons dans le coin. Faut encore aller assez loin. Donc, si vous trouvez que c'est long au niveau du tamage, si vous trouvez que c'est long au niveau du craft, au niveau des constructions. Les balades qu'on va faire, les tours de vol en oiseau, en bateau, what? Le dire hein, surtout, parce que sinon. Ouais. Sinon, nous on le sait pas et voilà, on veut pas non plus que vous soyez déçus de la chaîne, quoi. Que vous soyez déçus surtout de l'aventure qu'on vous fait. Parce que là pour l'instant, il y a déjà 21 minutes passées, ça paraît pas. Hein. Ouais, ça passe vite. Hein. Donc il y aura un tout bike continue et à un moment donné on coupera et on dira voilà, c'est il y a eu 4 épisodes ou 3 épisodes, il y a eu vraiment un suivi en long, en large, en travers. Moi je peux stocker, c'est pas ce qui me dérange, hein. Surtout c'est ça qu'il faut voir aussi. Quoi. Bon, niveau fibre G. Donc toi t'as fait les toits, moi je vais faire les murs, c'est ça? Il y a encore 3 ou 4 murs à faire, ouais. Ici et là je crois. Ah, je peux pas. Ah, bah d'accord, j'ai pas assez de bois ni quoi que ce soit. Quoi. Trop lobby. Y'a combien de toits à faire? Un ou deux. Moi, il me reste plus qu'un mur normalement. Alors, il est simple, enfin, c'est simple et intuitif de le faire ce jeu parce que en fait, y'a les crafts qui.
quand vous allez dans I, vous faites inventaire, vous allez sur votre pioche et il va vous dire de pouvoir réparer en clic droite. Clic droite. Et quand vous le réparez, bien sûr, il vous demande les objets en question comme la pierre, le branchage et le bois. C'est ça qui est bien. C'est bien détaillé pour les réparations ou les crafts. Par contre, dans The Forest, il n'y avait pas tout ça. Ah mais maintenant, ils ont fait la mise à jour, on peut le voir. Ça, c'était dommage de se trouver dans The Forest, de pas pouvoir... Hydratation et tout ça. Allez, on va mettre de la vie. Allez, on continue donc dans les crafts. Hein. J'ai mon premier lance-pierre. Voilà. Je pourrais faire un lance-pierre éventuellement. Bon, je suis trop lourd. Pourquoi pas ça? J'ai complètement, vraiment tout utilisé au niveau des... Des ressources. Pas des ressources, mais des engrammes. Les engrammes. J'ai pris du silex. Prendre un peu de pierre, peut-être j'en ai peut-être sur moi. J'en ai sur moi. J'ai réparé mes pioches et tout ça, donc ça va. Parce que là, ça va. Alors, il manque un tour. On fait stock. Là, ça sera un stockage bois, branchage, fibres. Ça va nous monter dans les levels. Faudra pas qu'on oublie de manger aussi entre deux. Manger, boire. De tuer aussi. Par exemple, là, je vais prendre ma lance et je vais chercher un dodo. C'est ce qu'il y a de plus simple à tuer, au moins. Il y a encore de la nourriture, je crois, de l'autre côté. Dans le feu? Ouais. Et je vais aller voir, je vais aller voir. Bon, au niveau de la nuit, ça risque d'être peut-être un peu sombre. Je vais faire les premiers coffres. On aura les premiers coffres. Combien je peux en faire? Un mur à faire. Aussi, ouais. Je peux faire qu'un coffre. Et un mur. Tant mieux. Tant mieux. Ou je le fais? Je l'ai fait, là. 5. Bon, il y a un coffre, mais je vais le mettre ici. À l'arrache. Hop. Et... Hop. Bon, il y a un petit peu de travers peut-être. Alors, le dernier mur, 4. Hop. Oh non, je l'ai mis... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Tu l'as mis sur l'autre. Non. Bon, on va dire que c'est comme une sorte de fenêtre. Ah, je sais pas si c'est le mur. Ouais, c'est le mur. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, je peux pas. Ah. Non, je peux pas. Ah, si, c'est bon. Voilà, je vais le refaire, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. J'ai eu un petit lag pendant un instant et paf, je l'ai mis sur le toit. Faut vraiment attendre qu'il se. Voilà, paf. T'as pas débloqué les grandes armoires? J'ai mis c'est que. Non, non, c'est très loin, niveau 15 ou 16. Donc on est encore assez loin. Ah ouais, c'est 16. Donc voilà. Là, je vais te stocker le bois, ça sera déjà pas mal. Bois, fibre, branchage. C'est tout ce qu'on va stocker dans ce coffre. Pour l'instant, on va jeter la pierre et les silex, on les récupérera au fur et à mesure. Ça, par contre, je le garde de côté. C'est le seul truc que je garde, c'est le métal. La pierre et les silex, on peut encore les trouver assez facilement, je trouve. Alors, pour jeter, c'est O, je crois. Jeter, c'est O. Ah, c'est O et transférer, c'est T. Et puis les narcoberries, tous ces fruits qu'on voit, bah, c'est faisable de retrouver tout ça. Donc pas de soucis là-dessus quoi. Maintenir E pour manger, ça mange tout d'un coup. Est-ce que t'as été chercher de la nourriture là-bas? Non, 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 pas encore. Je te dis, j'ai fait mon mur, j'ai fait le coffre. Ouais, je vais y aller. Ouais, jeter. Oh. Oh, les graines, les narcos, c'est pas grave. Ça, c'est trop salé, faut pas le manger parce qu'après, ça donne trop soif, etc. Oh, bien sûr. Ah, il y a des mouettes. Acides. Évite-les, parce que sinon ils vont te piquer dans ton inventaire. J'ai rien. Bon, ça va là. De toute façon, tu vas l'entendre, hein. Ils vont te commencer à te piquer au niveau des. De ton inventaire. Tu l'entendras. Ils vont pas te louper. Et il y a cette petite bestiole qui aussi qui rampe là, à terre là. Il faut se méfier. Avec des pics sur le dos. On dirait une sorte. Pareil, de petits rats, vous savez, un rongeur. Une petite saloperie qui recroqueville un petit peu, genre. Je vais te bouffer ton inventaire.
Quand même des fourmis. Oui, il y a des fourmis aussi. Tout ça, on va le voir. Hein. De toute façon, c'est juste au-dessus, normalement, qu'il y a des fourmis. Juste là-haut, les amis. Et tout ça, on verra au fur et à mesure, bien sûr. Bon, première structure. Hein, 28 minutes de passé. Je ferai sûrement une coupure là, les amis. Donc, tout bail continue, comme je l'ai dit. Je sais pas ce que tu en penses. Ce sera la première coupure dans le jeu. Et on reprendra derrière. Là, on Dark... bien avancé. Ouais, Dark, là, il est parti chercher donc la bouffe et tout ça. Donc, une première demi-heure déjà de passé, les amis. Tout bail continue, allez. Si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à aller voir la suite. Hein.